Alright tout le monde, je suis Jocelyn et on se retrouve sur une petite vidéo Need for Speed Unbound. Donc c'est mon premier jeu de char que je fais en fait sur ma chaîne. C'est pas mon style de jeu, mais je vais au moins faire une petite vidéo test sur Need for Speed parce que j'ai déjà joué quand j'étais plus jeune, Most Wanted, Carbon, Underground 2 pis tout. Fait que je voulais quand même vraiment faire une petite test sur ça, fait que je trouve ça cool de revenir un peu là-dessus. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon partenaire Swift Lifestyles, qui est la première marque de nutrition lifestyle e-sports au monde. Swift Lifestyles est réputé pour ses boissons énergisantes propres, ses réchausseurs de concentration haut de gamme et de ses vêtements de niveau supérieur. Utilisez mon code JeffSinner pour 15% de réduction. Sur ce, bon visionnement. Choisissez un personnage et modifiez-le. Parfait. Mais je vais y aller avec qui? Ok, je crois que je vais y aller avec lui comme de base, appliqué. Personnalisé. On va faire la création de personnages ensemble. Anyway, vu que c'est juste une petite test, je vais pas passer une éternité non plus à faire mon personnage. Comment je pourrais bien le faire? Je pense pas qu'il y a des cheveux qui me ressemblent à ceux-là. Nope. Ok, on a pas beaucoup de choix de coiffure en fait. Je crois que celui qui me ressemble le plus, c'est celui-là ici. Fait que je vais y aller avec eux. Vêtements. Vu que c'est une petite vidéo test, on va le faire ensemble. Ok, je me demandais. Collection de marques. Tous les vêtements. Mais tous les vêtements, on va vérifier. Honnêtement, je sais pas trop comment je vais l'habiller. Ah, ça coûte de l'argent? En gros, je peux pas y aller. Ah, ok, mais d'abord, je peux pas. Ok, je peux juste avoir des petits. De base comme ça. Ok. En même temps, ça nous fait voir un peu. Oh, oh. Just animé. Oh. C'est sûr qu'il fallait qu'il. C'est sûr qu'il fallait qu'il en aille. Hein. Bon, ben moi je pense que j'y vais avec un chandail comme ça. Parce que j'étais un gros weeb. Ah, mais il coûte de l'argent. Ah, mais c'est quel dommage. Ok, il coûte tout de l'argent rendu là. On a beaucoup de choix quand même. Il y a beaucoup de vêtements, c'est cool. Ça me donne une bonne aperçu. Damn. Ok. Ah, je veux pas avoir mes chandails d'animé. C'est dommage. Ok, dans ce cas-là, ça va être un t-shirt bien ordinaire. Je vais y aller avec une chemise... Avec une chemise, peut-être? Brain dead. Ah, je vais y aller avec cette veste-là. Je la trouve quand même cool. Elle est stylée. J'ai arrêté avec un chandail animé, mais je peux pas. Bon. Moi, je porte quand même vraiment souvent des jogging, pour être bien honnête. Là, je suis tellement confortable dans des jogging. Des gogoons. Je vais y aller avec... Puma. Bon, en vrai, je porte des Lacoste. Et je crois pas qu'il y en ait. Peut-être plus bas. Je vais y aller avec eux. Est-ce qu'on lui met une casquette? Moi, je porte pas de casquette, par exemple. Et pas beaucoup de sucre non plus. Je vais le laisser... Chapeau, bonnet, manteau, veste. Ah, j'en ai des petites vestes que je pourrais porter. Mais, ok. Je crois que je vais y mettre des pantalons noirs à la place.
Bon, ça va aller comme ça. Tête. Ah, la couleur des cheveux était ici. J'avais pas du tout fini, en fait. On va y aller comme ça. C'est quoi cet effet-là, en fait, là, avec du vert d'équipé, la teinte? Ok. Ok, y a pas de barbe pantoute. Dommage. J'aurais peut-être aimé ça y mettre une petite barbe. La barbe est trop prononcée. Est-ce que je peux lui mettre des lunettes de vue? Je pourrais mettre des lunettes carrées, mais de vue. Je peux pas avoir des... Ok, bon, ça a l'air que je peux pas. Fait que je vais juste y mettre des lunettes comme ça, ça a l'air. J'aurais peut-être aimé ça avoir des lunettes de vue. Mais c'est toutes des lunettes fumées, en fait. C'est vrai, c'est un jeu de char. Faut qu'on soit cool. Pas avoir des lunettes de vue comme moi, c'est pas cool. C'est pas assez cool. Honnêtement, mon personnage, je le trouve extrêmement laid. Mais, je vais le laisser comme ça. Oh non, pas des moves comme ça. C'est tellement pas mon style. Ah oui, le point dans les airs comme ça, ça c'est drôle. Oh, mais terminé, let's go. Choisissez une épave à restaurer. Oh, une épave. Ah, mais t'es sérieux? Moi, j'adore Lamborghini, moi. Ah, un Dodge Charger 1969. Oh, j'hésite. J'hésite vraiment entre les deux. Ah, j'adore le Dodge. Sérieux, j'adore vraiment le Dodge. Allez, let's go, on y va avec le Dodge. Mais la Lamborghini, elle me tente vraiment beaucoup. Là. Juste le fait que c'est une Lamborghini, j'adore Lamborghini aussi. Là. C'est genre comme... c'est mon char sport préféré, mettons. Mais le Dodge Charger, là, il est vraiment quelque chose, pour vrai. Ah, Lamborghini. Pourquoi pas? Jazz, on a passé l'été sur cette bagnole. Je veux la conduire. Ok, ok, d'accord. Mais fais gaffe. Je veux pas de surprise. Oh, wow. Ok, voyons ce qu'elle a dans le ventre. Accélère. Wow, elle va vraiment vite, Jazz. Attention, virage. J'ai vu. Bon, ok. Braquer et appuyer brièvement sur le frein. Left trigger. Ok. Virage. Ça, c'est pas vraiment un char à faire des drifts. Le Dodge Charger, il a été vraiment mieux. Ça fait des années que j'ai pas joué un jeu de course. Heureusement que j'ai assuré sur la tenue de route. Arrête, t'as cru qu'on allait se planter. On se plaignit trop au lieu de te foutre de moi. On s'est planté tantôt. De course, pas une trottinette. L'odeur de la nitro. La victoire aura cette odeur-là quand on passera la ligne. Fais gaffe à pas te faire arrêter pour excès de confiance. Attends, t'as vu la bagnole? C'est un pur bijou, Jazz. Au moins, on n'a pas bossé pour rien. Depuis le temps qu'on observe tout ça, je peux pas croire qu'on va se retrouver sur le devant de la scène. C'est fou qu'il faut commencer avec une Lamborghini, je trouve. Moi, je m'en souviens, dans Need for Speed Carbon, là, t'avais une Lamborghini Gallardo, là, c'était épique. Ouais, à nous de jouer. Enfin, on va arrêter de tirer le vent. Attache ta ceinture. Accumulation de boost de nitro. Ouais, c'est bon. On avait vu.
ridicule. Tu te souviens quand on regardait les courses? T'avais imaginé qu'on en arriverait là un jour? J'espérais un peu, ouais. Oh. Mais maintenant qu'on y est... On peut bumper du monde, je savais pas. C'est bien cool, ça. La bagnole... Whoops. Profond, ça. Venant de toi, ça m'étonne. D'habitude, t'es plutôt genre... Passe-moi la clé de 12. C'est sans doute la voiture. Cette bagnole était plus qu'une épave. Je comprends pas pourquoi Raiden laissait pourrir cette bagnole dans son garage. Il s'était dit qu'il bosserait dessus, mais il trouvait jamais le temps. Quand il va voir ce qu'on en a fait, il va sauter au plafond. Avec nous, Raiden's Rides va devenir célèbre. Le patron sera fier de nous. Tu joues à chat ou quoi? Salaud. Hey, comment ça, je suis dernier? Merde, il y a des flics. D'où est-ce qu'ils sortent? Stevenson ferait mieux de lâcher ses chiens sur les vrais criminels. Ils sont rapides. Sème-les sur le pont, vite! Ah ouais, man, on va vite, là. Tout est une question de réflexe. Depuis quand t'as des réflexes, toi? Non, mais sans bec, joli coup de volant. Merci. Et toi, sans bec, belle mécanotisation. Le bec est pas prêt pour notre génie. Et c'est pas moi qui le dis. Bah, qui alors? La communauté. Ma messagerie va exploser. Quoi? Déjà? Ah, merde. Ah, il me rentrait dedans, lui, là. Ah shit. Bon. Désolé pour ceux qui sont super bons à Need for Speed. Je suis vraiment pas le meilleur des joueurs là-dedans. On est en train d'arriver au pont. Accélère. Merde, Jazz. C'est chaud là quand même. C'est le seul moyen de semer. Salut, Lexor! God damn, how real is this? I know the moment. Gonna be feeling this East Coast. Well, how chill is this? Still don't give a shit. My ignorance is still a blip. Chris Cross. Well, flip on, he slipped off. My big boss, Chris Cross. Don't be that nigga, we really two dope boys scale, but I sold pills. No deal, put her on her feet, toenail. Goddamn, how chill is this? I know the whole world. Jas, j'ai plein de messages sur le rassemblement dans les Heights ce soir. Je t'avais dit, les gens sont prêts à miser un paquet de fric. C'est bon pour nous, ça. Merde. Alors, qu'est-ce que t'en dis, boss? Elles ronronnent bien. Mais elles sont bonnes. Y a pas à dire, j'adore l'odeur de l'essence. Ça explique tout. Oh la vache, j'arrive pas à croire que ma vieille épave s'est transformée en bolide. Tu rêves pas.
Le lake est à nous. Quoi? Elle est homologuée? Ouais, et moi je suis LeBron. Bon, je vais pas te dire ce que t'as à faire. Je sais ce que c'est d'avoir besoin de... Enfin, tu sais, besoin de... De... quoi? L'essence lui monte à la tête. Je te demande juste un truc. Traîne pas trop avec ces trouducs de Cyril Heights. T'es pas de Cyril Heights? Ouais, justement, je connais bien leur combine. Rien de bon. Rydell, mais t'as toujours dit que je savais bien juger les gens. J'ai jamais dit ça. Quoi, t'as pas confiance en moi? Contente-toi de gagner, c'est tout. Youhou! Hey, je suis sérieux. L'essentiel, c'est de gagner. Ok, c'est parti. Ce soir, c'est le grand soir. J'en suis sûre. On a juste besoin d'un nom. Modifie les textes. Parfait. Et voilà. Bon, parlons un peu de mon augmentation. Si tu peux faire la même chose à la voiture des clients, on verra. Quel client? Eh, hey, laisse-nous un peu de temps, les affaires démarrent. Des clients m'ont contacté, ils vont bientôt nous déposer leur voiture. Damn. Ils ont sûrement entendu parler de la Rydell Touch. Non, la Jasmine Touch. C'est la philosophie du garage, ok? Ouais, c'est ça. Ce que je trouve cool, c'est qu'on a la Lamborghini de Dr. The Suspect. Lamborghini Diablo rouge. Ça, c'est la... C'est celui-là, Docteur du Suspect, là. Je trouve ça cool. Non, on va jouer. Anyone est pauvre. On va faire quelques courses. Salut Rydell. Hey, salut. Quoi de neuf? On vient juste de partir, donc pour l'instant, pas grand chose. Hey Rydell, tu connais pas un bon resto dans les Heights? J'avais dit pas les Heights. Y'a que les trouducs qui bouffent là-bas. Ok, c'est bon, j'ai compris. On se débrouillera sans toi. Un petit barbecue improvisé à la dure, moi ça me va. Hey! Elle déconne. Hein, tu déconnes, Jas? Mais oui, t'inquiète. Bon, premier rassemblement. T'es prête? Reste cool, ok? Toi et moi, faut qu'on se fonde dans la masse. Il y aura des pointures là-bas. Si on a l'air de débarquer, personne ne voudra de nous. Ok. Mais ça va aller, non? On a le niveau. Il faut une bagnole qui a de la gueule et qui est à la hauteur de nos ambitions. Y a pas que la victoire qui compte. J'espère qu'on va pas se planter. T'inquiète, je suis là, j'assure. On a beaucoup de personnages, mais je sais pas si l'ancien Need for Speed était comme ça pour vrai, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Mais avant, il me semble, c'était pas mal juste des courses, on avait pas vraiment de personnages. Première fois que je vois autant de monde ici. J'espère que... Qu'est-ce que tu regardes? Accroche ta ceinture. Bienvenue à Lakeshore, dans la cour des grands. Je peux le faire. Je vais le faire. Je suis carrément en train de le faire, là. C'est ça, bats-toi. C'est rien du tout. Oups. Moi, je prends des raccourcis dans le gazon.
côté. Je dis au flic que tu manges. Non. Oh. Je suis contente que tu sois là. Ça faisait un bail. Surtout. Moi, on dit que je suis mauvais. Ok. Tu veux dire quoi? Voilà, on se comprend. Je voulais essayer de pousser l'autre char sur qu'il fasse un face-à-face, mais c'est moi qui ai mangé le char. Karma. Ah, le premier, il est loin. Ma communauté a besoin de ton fric. En drague, par exemple, là, maudit que j'accélère vite. Allez. Et merde. Deuxième. Merde. Pas cool ça, je l'ai fait les premiers. J'aurais pas mangé le véhicule là. Réessayer. Premier. Oh non, mon char, il est tout scrap. Vite lui. Elle. Ok, ça c'est pas mal la ligne droite, ça. Tu verras jamais la couleur de mon fric. Allez. Dernière petite ligne droite. Non, on l'a eu. Yeah! Et puis je fonce dans le mur. Le point dans les airs. Parfait. Il était bizarre ce rassemblement, tu trouves pas? Ça manquait de style. Parce que tu t'y connais en style, toi. Tu sais bien que je te l'ai... Ok, là on pourrait aller où? Est-ce qu'on a d'autres épreuves? On va retourner au garage d'abord. Ouvrir juste pour te donner l'impression d'être utile. Arrête! Prendre la pose sur le capot, avoir l'air cool, c'est pas utile ça. En tout cas, quand je serai aux commandes, ce sera épique. Quand... Tu seras aux commandes? Tu crois quand même pas que je vais croupir au garage toute ma vie? J'ai de l'ambition, moi. De l'ambition, mais aucun style. En tout cas, moi, j'ai un plan. Tu devrais peut-être te regarder. Ah, le garage est en bas. Toujours plus haut, plus fort, plus vite! Madame le maire Morgan Stevenson est prête à reconstruire Lakeshore. Pour évoluer, une ville doit reposer sur une base solide. Et cette base... C'est Morgan Stevenson. Publicité sponsorisée.
C'est cool, on a quelqu'un avec nous. Comment ça s'est passé aujourd'hui? La voiture a de la gueule. Et niveau pilotage, c'est pas mal non plus. Vous faites une belle équipe. Au fait, tu vois les nouvelles voitures qui sont garées devant? J'ai un client qui en voudrait une pour demain. Oh! Avec la Jasmine Touch, bien sûr. Pas de problème. Je m'en occuperai ce soir. Oh, il y a elle ou il y a elle que j'ai équipée? Elle, parce qu'elle est rouge. Vraiment nice. Ok, Ah, des néons. On peut s'en mettre des néons, c'est 5000. On va appeler notre véhicule Red Devil. On va mettre des gros collines de néons. Rouge. Oh, 6000! Allez! On peut pas y aller? Argent nécessaire? Ah, il faut 4000 participer! Mais je vais y aller quand même. Ça dit que c'est bloqué, il faut 4000? Je sais pas, on va aller voir, on va se rendre, on va aller voir si on peut... Oh, la pluie est belle sur le char! Ils ont l'air bien vénères ce soir. T'imagines un peu la tronche de Rydell si on passait aux infos? Eh, hey, il pourrait rien dire, ça ferait de la pub au garage. Tu veux faire quoi, toi, après? Après la course? Après la course, après Rydell. Tu vas pas rester ici toute ta vie, non? Je sais pas trop. Moi, à la base, je voulais juste échapper aux services sociaux. Rydell's Ride, c'est ce qu'il me fallait. Et puis, Rydell, c'est un mec bien. Ouais, c'est vrai. Pour tout te dire, je suis jamais resté aussi longtemps au même endroit. C'est juste que... Parfois, ça me démange de tout plaquer. Ah, mon bric-à-brac, c'est X. Un truc solide. Et surtout, on a un plan. Gagner gros. Ah, ça, pour gagner gros, on va gagner gros. Salut, Jas est là. Salut, ça roule. T'as pas vu ma clé à griffe? Celle que t'appelles Stilson, c'est ça? Ouais, Stilson. Elle est où? Ah! Je suis arrivé en tonneau. On n'a pas encore assez de fric pour jouer dans la cour des grands. Ah, c'est ça, on n'a pas assez de... Merde. Ok, mais là, comment je suis de bord pour gagner du cash? Ah, lui, je peux. Allez! Ah, c'est beau avec la pluie sur le véhicule. Viens te voir de quoi tu es capable. Ok, fini de jouer. Ça se fait pas. C'est pas vrai! La star que je sais c'est quoi mon break à bras, ça va être encore plus facile. C'est parti! Centrale, nous sommes à la poursuite de plusieurs suspects. Hey, doucement! On tue du monde. Oups, pardon. Oh yes, le pont. Oh. Wouhou! C'est bien cru qu'on allait se brûler les ailes. Je veux encore gagner la course. Vous avez qu'à pas être distrait.
Salut à tous, ici l'unité de patrouille. On engage la poursuite. Ouais, ça c'est une belle course. C'est cool qu'on ait une chick à côté de nous autres. En avant. On doit aller semer. Est-ce que c'est comme dans Art Pursuit? Est-ce qu'on peut... C'est bon, on les a presque semés. Ah, ok. Fouillez bien partout. C'est bon, j'arrête. Et voilà le travail. Bien joué. T'imagines la tête de Rydell s'il avait vu ça? Je préfère pas, il aurait pété un câble. Tu parles, il a fait pire que ça quand il était jeune. Bah Rydell, c'est pas possible. Il est toujours réglo. La famille, c'est sacré, tu sais. Attention, chaud devant. Non, on va aller au garage? Ah non, on va aller faire... On va aller faire la course à 12 000, pourquoi pas? Pas pour toi, mais moi, j'ai pas très envie de rentrer. Ah là j'ai 6000. Ok ouais, là j'ai 6000 dans le rouge. Là je dois aller au garage en fait. Ok ouais, on prendra pas de chance. On va aller au garage, on va aller porter notre fric. Je crois que si on se fait arrêter, on perd notre argent. Quand Rydell aura pris sa retraite et qu'on fera partie de la légende du lake. Je compte bien vendre un max de place, remplir des stades et vivre comme une rockstar. Et toi? Eh ben, quand je bosse au garage et que je vois Rydell, ça me donne un peu envie de faire pareil. Je voudrais m'installer dans le coin, construire un truc. C'est déjà fait, je suis en train de le conduire ton truc. Je veux voir plus grand que cette voiture. En vrai, elle me plaît bien cette vie. J'aime bien bosser au garage. Monter, démonter, remonter. Il y a plein de police. Soirée pizza sur le canapé, l'odeur de l'essence. Rydell, qui espère enfin voir les Spins gagner le championnat avant sa mort. C'est ça. Et moi, je suis LeBron. T'as peut-être raison. J'ai pas encore trouvé ma voie, c'est tout. Y a rien qui presse. Ton avenir, c'est comme cette route. Quoi? Déjà tout tracé, tu veux dire? N'importe quoi. Mon Need for Speed préféré, là, moi, je me rappelle, là. C'était Underground 2. Mais il y avait Most Wanted aussi qui était super bon. Possible, tu fais exprès. Hey, va-t'en. Ouais. Rydell, j'ai bossé toute la nuit sur les bagnoles de tes clients. Elles sont nickel, pas vrai? Pas mal, pas mal du tout. Oh, t'as oublié de retirer le fil. 18 000. Pour vérifier que tout est bien en place. C'est important quand même. Ouais, je sais. Tu sais bien que je préfère quand tu bosses dans les règles. J'avais 3 bagnoles à faire. C'était plus rapide comme ça. Voyons ce que dit le client. Ouais. Piste de frein. Les jantes. On va essayer de voir. T'as l'air crevé. C'est tout ce que tu trouves. Ah, on peut le modifier un petit peu. Est-ce qu'on modifie un petit peu son look? C'est ça. Je vais faire un tour, ça me changera les idées. C'est pas que j'ai goût, hein. Quête des carrosseries. Ah, ça c'est laid, là. Ah, ça c'est extrêmement laid. On peut changer, c'est la carrosserie en fait, je peux pas changer rien par chaque avant. Là, j'ai juste 9000 en fait. J'ai économisé puis on va se faire un kit de carrosserie, on va pogner celle-là tant qu'à y être, pourquoi pas. On dirait une vraie fusée.
it with a pepper. Should've taken a page out of Heddy's book. If he did, then he would've known better. Out here trying to make that blue like Jesus, melting him up like cheddar. Bad boy got beat till his t-shirt red, cause he didn't wanna say his letter. Always trying to call him a Norman Trekker in the... Ouais, on va le faire notre course avant. Oh attends, mais avant il y a un accessoire, faut que je me pogne. Ah c'est 5, c'est 5000, ça coûte cher. Ok d'abord. On va laisser faire. 3000, ici j'en ai une 3000. Ah et où l'autre, la course à 12000? Ah, juste de nuit je crois, est-ce que je peux attendre? Je pense pas. Ah merde, mais elle a juste 3000. J'ai pas voulu la faire à 3000. L'autre, elle coûtait 12000. C'était cool, 12000. Si je rentre dans le garage. Non, je pense pas que ça marche. On va le faire, cette petite course de bord. Après ça, on fera cela à 12000. C'est pas plus grave. Tu pourrais passer prendre un pote à moi. Désolé. Il a les flics sur le dos. Faudrait lui filer un coup de main. Ça roule. J'y vais tout de suite. Ah, il peut avec nous. Dommage. On a une récompense. C'est quoi son problème, Rydell? Son problème? Retirer le filtre? Je me suis cassé le cul toute la nuit sur sa caisse pendant qu'il était scol... J'ai devant son match. Tu étais volontaire, non? Tu comprends rien. Le prends pas comme ça. Il t'aime bien. Mais tu sais comment il est. Et tu prends sa défense, en plus. Arrête, je prends la défense de personne. Rydell, il a ses petites manies, comme tout le monde. Jas? Jas? Eh merde. Voyons, vas-tu pouvoir arrêter de déraper un moment donné? Hein? Diamant brut. Prêt? Une course poursuite? Vas-y, démarre. Chez moi. Vite. Bah alors, Rudiger, on dit plus bonjour. Tu fais quoi, là? Arrête de me prendre la tête. Bien compris. Toi, t'es pas du genre bavard, si? Moins de baratin, plus de pilotage. Ok, pas de problème. Et merde. Le silence, ça me dérange pas. Non, pas du tout. Je lui rends silence, ça me va très bien. Pas besoin de parler. Je t'entends, tu sais. Hey. Ça va, t'es pas trop naze finalement. J'aime pas ça essayer d'esquiver les polices par exemple. Ça me fait plaisir. Hey, tu veux bien me laisser un avis? Ça m'aiderait beaucoup. T'es en manque de reconnaissance? Merde alors. Et moi qui croyais qu'on était potes? Emmène-moi là où je veux, c'est tout. Ben, je dirais non coupable. Tu sais ce que c'est? Une fois que la meute est lâchée, voyons. Tu peux plus l'arrêter. Faut pas juste tourner un petit peu? La misère en maudit, là. Ta définition du mot innocent? Ben, pas coupable. Alors non. Dans ce cas, je ne suis pas innocent. Ok. Eh ben, vaut mieux pas sortir dans la rue quand tu conduis. Non, désolé, j'ai de la misère en maudit. J'aime mieux faire des courses. Une nouvelle planque. Finalement, pour mes amis, ma planque est toujours ouverte. C'est ça la récompense. Salut, Jess est avec toi? Non, elle est pas là. C'est pourquoi? J'appelais juste pour dire que le client est content, c'est tout. Beau travail d'équipe. Une envie de viande? Profitez vite d'une remise exceptionnelle sur le faux filet au rayon boucherie. T'es où? Au supermarché. Je vais faire griller des côtelettes au barbecue et acheter de quoi préparer la marinade secrète de mon vieux. C'est ta préférée, je crois, non? C'est histoire de marquer le coup. Ouais, tu m'intéresses. Super! Tu préviens Jazz quand tu la vois, ok? Pas de problème.
Salut, ça roule. Rydell vient d'appeler pour nous inviter à un barbecue. Il fait ses fameuses côtelettes marinées. Ça se refuse pas. J'ai pas le temps. Allez, Jazz. Il a aussi dit que les clients étaient contents. Et alors? Alors il est content. Faut qu'on fête ça ensemble. Il aurait peut-être pu m'appeler, non? Je me tape tout le boulot, et lui, il me remercie avec des côtelettes. Merci, mais non merci. Parle-en avec lui. Tu verras qui... J'ai un double appel. À plus. Oups. Let's go, épreuve. Red Devil. On va l'appeler Red Bull à la place, vu que c'est un Lamborghini puis c'est un taureau. Taureau, c'est mon animal, mon signe astrologique. Red Bull, ouais. Red Bull aussi. Pour quelqu'un qui pilote pas pantoute, je pilote bien. Ça passe proche avec la vanne. Oh, il y avait un raccourci. C'est proche. Tu peux voler, mousse. Elle me suit dans le cul, elle là, j'aime pas ça. Ok, là, je commence à la rattraper un peu. Moi, mon fort, là, c'est pas les curves, mais le drag. Il me fait rire avec son bras dans les airs. Oh, on retourne à la planque? On est juste à côté. Madame Stevenson, à l'issue de votre mandat, quels sont vos projets pour Lakeshore? Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire confiance aux forces de l'ordre pour nous protéger des Voriens qui prennent Lakeshore pour leur terrain de jeu privé. Graffiti, courses clandestines, toutes ces activités illicites détruisent... Ok, là on est la nuit, puis là d'après moi on va avoir la course de 12 000 piastres. Hé, hey, mate un peu ce kit de tuning. Oh! C'est exactement ça qu'il me faut. Hé, Rydell, ça sort d'où ce truc? Le kit de tuning? On peut l'avoir. J'ai demandé ça pour un client, mais il est jamais venu le récupérer. Depuis, il prend la poussière. Je peux le prendre? Ouais, après coup temps. Merci patron. Avec ça, la bagnole aura une gueule d'enfer pour la course de samedi. Voilà. Hé, hey, t'as pas oublié qu'il y a une course bientôt? On peut gagner gros, faut que la bagnole soit au top. Waouh! Oh my god, c'est bien cool ces rimes-là. Yo, fais-moi signe quand tu te casses. J'ai pas envie de passer une nuit de plus ici. Ah, attends une minute.
On fait un truc ce soir ? Non, on a prévu un truc, là. Ah, ok. Rentrez pas trop tard, d'accord ? Ça, c'est bloqué. J'arrive demain matin. Chef, oui, chef ! Merde, alors, il peut pas penser à autre chose qu'au boulot ? Il paraît qu'il y a des courses de dingue prévues ce soir. J'irais bien faire un tour au lake, pas toi ? C'est cool comme ça ? Mais là, y a pas de néon. Est-ce que je peux y mettre des néons ? C'est 5000 des néons, c'est vrai. Effet de pilotage, tag. Là, on va changer son effet, là. On a comme complètement changé de... Et voilà. C'est cool ça, comme ça ? Celle-là est encore plus belle. On l'a déquipé. Et voilà. L'accessoire, klaxon. Qu'est-ce qu'on a comme klaxon? Ouais. Tu mets, mettons, des néons. Tiens. Non, mais finalement, je l'ai. Le vêtement. Est-ce que je peux avoir enfin mes chandails d'animé? Yeah. J'avance mais je sais pas si je verrai demain. Reality show, parla di noi. Quelli come me, quelli come te. Je peux pas y croire, c'est peut-être ça la vie. Rêve, moi qui rêve de toi. J'ai perdu espoir. Non ci credo no, euro ni sogni. Ah, j'ai d'autres chandails quand même, c'est cool aussi. Ah ouais, son chandail d'anime va être vraiment cool. 50$, tiens. Let's go. On va y mettre des bas colorés. Oh! C'est quoi celle-là? Oh! Les jeans. On va l'habiller vraiment. Manque de couleur là. Brudna ściana, co dzień budzik, tak wzrok, wzrok. Kura ściana, może ludzi las, rok, rok. 300$, wow, fuck off, là. Quand ça va faire cher des pantalons, là. Il va rester de même. Ben, je vais peut-être y mettre les pantalons noirs, par exemple. Les pantalons noirs étaient cool. Puis t'es bien avec. Malgré que je vais en faire une course à 12 000$, hein, je m'en fous, là. Tiens. Allez, let's go, on s'en va faire la course. Ah, et puis là, la course. Ah oui, elle est là. 22 000. Ah, mais où la course à 12 000? Il y avait 12 000 la dernière fois. Bon, tant pis. On va le faire la course à 6 000. On va faire une petite course à 6 000, puis on va le faire une petite course avec notre char. Notre bolide. C'est fou, on commence avec un char vraiment cool, je trouve, direct au début du jeu. Il y a une fille qui va parler de Madame le maire en direct. Alec m'a envoyé un lien. Alec? Mais ouais, tu sais, le mec, là. Ça commence. Salut, Lake Shore. Ce soir, je vais vous parler de la corruption qui se cache derrière la fameuse politique de tolérance zéro. C'est un nom qui claque. Mais ceux qui souffrent le plus, ce sont les habitants de la ville. Bon, ok. J'ai des preuves qui incriminent la maire et son équipe. Ce sont eux les véritables criminels de l'action. C'est vraiment nice les effets qu'ils donnent au véhicule là, de dessin. Là. Je trouve ça vraiment cool. Ça rajoute un petit look pour vrai. J'aime ça.
Je déteste mon matelas. Hé, hey, qu'est-ce que tu dirais de gagner de la thune autrement qu'avec les courses? Je tiens à mes reins, merci. C'est pas encore sûr, mais Alec cherche peut-être un pilote. Alec? C'est qui déjà? Bah, tu sais, Alec. Merde, t'as vu le prix du billet d'entrée pour ces cours? Ah, notre chance est le plus haute. Possible, on vient de commencer à jouer, mais notre chance est le plus haute. Minimum de risque. Senner, il est vraiment cool. Tout le temps la même fille. Yo man, je tac ma chicks. Ah merde, j'étais trop dans le rouge. Je vais t'en mettre plein les yeux. C'est pas mal. Ah man, le notre char là, il est ben trop fou là. C'est une fusée qui vient du futur, ça a pas de sens là. Hey, check le petit feu mauve qui sort en arrière, c'était que. Hein? Merde. Ça c'était nul. Ah, je me fais rattraper là. Je l'ai dans mon aile là. Il faut commencer, esti, genre. Ça va? Pas trop secoué? Ici, l'unité de patrouille. On va jouer, nous. Il faut commencer, tu sais, on arrive direct d'un thé. Ah merde. J'aurais peut-être pensé péter le béton. Vu qu'on pète des arbres pis tout, là, j'aurais pensé péter le béton pis aller au garage. Homme d'affaires. Je vais l'appeler pour voir s'il a quelque chose pour nous. Je l'ai jamais vu, lui. Et alors? T'as jamais vu mon oncle Choppy et t'en fais pas tout un plat? Ok. Je t'en garage. Parlais. On a grandi ensemble et il s'est occupé de moi. Moi aussi, j'en viens du système. Tu te rappelles? Toi, t'as eu du bol. Moi, j'arrêtais pas de changer de foyer, et Alec était toujours... dans la...
On s'est un peu perdu de vue quand je suis arrivée chez Rydell, mais il m'a appelé avant-hier. Comment il t'a retrouvé ? T'inquiète, il a assisté à une course et il a pris contact, c'est tout. Écoute, c'est un mec bien et il peut nous aider à gagner du fric. D'accord, d'accord. Tu sais bien que je te fais confiance. On va tout déchirer. Et voilà. Apparemment, Alex sera là. Faut qu'on fasse bonne impression. Ok, j'ai trouvé d'autres clients. Le garage commence à se faire un nom. Super, je suis contente pour... Mauve. Mauve, c'est cool. Pour nous. Attends, j'ai ça. J'en serais pas là. Ce garage, c'est une affaire de famille. C'est pour ça que tu nous payes aussi mal. Bon, c'est pas tout, il y a des voitures qui attendent. Motivé ? Ouais, à fond. Et voilà. Tiens, bonne chose à faire. Wow, avec les néons, regarde-moi ça. Il est cool, hein? T'as entendu ce qu'a dit Rydell tout à l'heure? Oh, j'écoutais pas. Il a dit quoi? Si tu savais combien de fois j'ai entendu ce discours. On est une famille, tu parles. La seule personne à qui je fais confiance, c'est moi. Attends, Jazz. Chut. Attends, attends. Chut. Chut, chut, chut. Salut, Rydell. Salut, je voulais juste vous souhaiter bonne chance pour la course, à toi et à Jazz. Merci, papa. Oublie pas, moins tu causes... Non, ça fait une dernière, let's go. Plus tu gagnes. C'est ça. Bon, bref, je vous dis merde. Honnêtement, là, je... 30 000. Oh, c'est notre course. On va au garage, à plus. C'est la course, ok, on l'a fait. Il voulait peut-être simplement s'excuser. Il avait qu'à le dire, c'était plus simple. Tu connais Rydell, c'est un vieux de la vieille. Ouais, ça pourrait être vieux. Là, elle l'aime pas en tout. Ok, c'est la course, man. On fait la course, puis après ça, on termine la vidéo. On dirait qu'Alec est là. Speed Hunter. Walk my chicks, let's go. Là, j'étais dans le verre, en maudit, là. Il te vend rien pour gagner, toi. T'as fait exprès de me laisser te dépasser. Ah, lui, il me suit dans le cul, là. No way! Arrêtez de faire comme si j'avais rien vu! Ah, j'ai fait un asti de belle curve là, puis lui il m'a clenché là. Ou elle, je pense que c'est elle, c'est encore la même fille. Je vois sa face dans l'écran là, en bas là, dans la map. Dans le radar, je veux dire. Notre adversaire, c'est lui qui est deuxième, tu sais, c'est même pas lui qui gagne. Moi, ce que j'aimais dans Most Wanted, des fois, c'est les courses à deux. Je peux encore gagner la course. Un contre un, genre. Ça, c'était cool.
Hey, je fais une belle course live, man. Je suis vraiment fier de moi, là. Je chauffe bien, là, à date. Et je vous rappelle que j'ai jamais joué, pis c'est pas mon style de jeu, là. Let's go! Wow, hey, ça c'était une belle course, man. Alors, regarde-moi mettre mon point dans les airs. Première place, c'est ça le talent. Rien vu venir. Je te l'avais bien dit. Entre ton talent et mon génie, rien peut nous arrêter. J'ai hâte de voir la tête de Rydell. Il va être trop fier de nous. Ouais, je te parie qu'il va nous ressortir sa marinade secrète pour fêter ça. Oh, merde, attends. C'est Alec qui appelle. Salut, mon pote. Ouais, pas mal, hein? Ouais. C'est un petit garage tenu par... Je te l'avais bien dit. Je sais pas, moi, un paquet. Un paquet de quoi? Quoi, ce soir? Ouais, pas de problème. Merci. À plus. Trop bien. Il se passe quoi, là? On a un job. Là, maintenant? Mais je croyais qu'on rentrait au garage. C'est juste une livraison. On prend une caisse, on la dépose ailleurs, il va nous envoyer les infos. On peut pas refuser, c'est maintenant ou jamais. Ok. Allez, c'est parti. T'es sérieux? Mais non, on arrête. C'est pas net, ce truc. Pour réussir, faut prendre des risques. Point barre. Si on réussit à l'impressionner, c'est le jackpot. Mais on n'aura pas de deuxième chance. J'aimerais quand même en savoir plus sur la bagnole. T'inquiète, je le connais, y'a rien d'illégal. Là, on est au sommet, là. On a gagné la course à 30 000. Là, check bien ça, il va nous voler. On va tout perdre. Ça me semble c'est trop beau pour être vrai. Dans un Need for Speed, là, on commençait tout le temps avec un beau char, là. Comme là, on a commencé avec un beau char, on a déjà un skin vraiment cool. On a un char de malade, là. Puis on va se faire planter, là. Check bien ça, on va se faire planter, on va se faire voler, puis on va se retrouver avec un petit char de marde. Toujours plus haut, plus fort, plus vite! Oups! Pardon! Récupérer la voiture pour Alec. Bien qu'on pouvait faire confiance à Alec. Mate la caisse. Elle claque, Jas. Prends-la. Je vais te suivre jusqu'au point de livraison. Vas-y. Bon, ça reste entre nous tout ça, pas vrai? Waouh, c'est une vraie merveille. Ma Lamborghini est bien plus belle. Ok, t'as l'adresse? Fonce, c'est pas le moment de traîner. Ça me va, j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette bagnole. Merde! Jasmine, c'est quoi ce bordel? C'est une voiture volée? J'en sais rien, on se sépare, je te retrouve au point de rendez-vous. Compris, fais gaffe à toi. Ah oui, c'est ça. On a 30 000 piastres en jeu, là. Je ne vois plus notre suspect. Notre suspect vient de nous filer entre les doigts à Université Centrale. Notre suspect s'est enfui. C'est fini. Tu sais, on a gagné 30 000 piastres. On aurait pu juste aller cacher cet argent-là, la blanchir. Mais non, on fait une autre mission avant. Tellement pas safe. Thank you.
Allez, Jazz. Décroche, décroche. Salut, c'est Jazz. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Ou pas. On verra bien. Hé, hey, Jazz, t'es où? Je suis au point de rendez-vous et y a personne. T'es sûr qu'il t'a refilé la bonne adresse, ton Alec? Merde! Jazz! C'est l'alarme du garage! Désirez-vous laisser ce message? Fais chier. Faut que je rentre au garage. Ah ouais, je le savais, on va tout perdre. Merci de faire confiance à Rydell's Rights. Vous pouvez rappeler pendant les heures d'ouverture. Merde. Salut, c'est Jazz. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Ou pas. On verra bien. Mais merde! Pourquoi personne répond? Check bien ça, c'est Jazz. On s'est pas fait fourrer par elle en fait. Ou son père ou de quoi de même, je sais pas. Pis Jazz, là, au pire, là, on va la battre à la fin du jeu. Ça va être le boss final. Puis ça va être avec notre char. Notre Lamborghini, c'est genre le final boss. Merde, ça va, Rydell? Ils m'ont tout pris. Attends ici. Merde! Je le savais. Je te l'avais dit! Jasmine! Qui a fait ça? J'en sais rien, moi. Jazz, on bouge! Il vient de dire ton nom? Elle était avec moi toute la nuit. À qui t'as parlé du garage? Je l'ai pas fait. T'as pas fait quoi? T'es pas allé au Heights? Te foutre de la gueule de ce vieux con de Rydell? Qui va me faire confiance maintenant? Oh, attends! Merde, je t'ai recueilli quand personne voulait de toi. Hé, Rydell, calme-toi. Jazz, attends! Arrête! Non mais sérieux? Je rêve où elle a pris la bagnole? Ouais, elle nous a tout pris. Deux ans plus tard. Je crois plus en rien. Je sens plus le bien. J'avance mais je sais pas si je verrai demain. On disait que personne ne pouvait nettoyer l'Exor. Eh bien, elle n'a pas jeté l'éponge. Votez Morgan Stevenson, Madame le maire, que Lakeshore mérite. Salut, Rydell. C'est encore mort aujourd'hui. Oh, une vieille dame est passée pour une vidange, mais elle avait pas d'argent. Juste des samoussas. Ils sont dans le frigo. Bref, je vais fermer et voir si je peux me faire du fric ailleurs. Oh, et j'ai rangé la réserve et t'avais raison. C'est un opossum, pas un rat. Du coup... Ouais. Il est toujours là. Et sinon, ton bouquin est arrivé. Si t'as besoin de parler, je suis là. Je viendrai tôt demain matin pour ouvrir, ok? Ciao. Bon. C'est à qui le tour? Rydell's Rides, j'écoute. Salut, c'est Tess.
J'ai besoin d'un coup de main, on m'a dit de t'appeler. Je t'envoie l'adresse et ma destination. Pas de soucis, j'arrive. Wow, man, regarde notre bagnole. On est passé d'une Lamborghini. Je le savais. Elle nous a fourré la connasse. C'était genre notre ami pis tout. On a reconstruit en fait la Lamborghini. Elle nous a pris 30 000. Elle nous a pris 30 000. Elle est partie avec notre Lamborghini. Wow. La vraie... Wow. Une vraie crosseuse. Damn. Bon, ben nous, on va s'asseoir là-dessus. Donc, c'est cool. On a quand même fait l'introduction. C'est le fun parce qu'on a eu l'occasion de faire des courses avec une Lamborghini, un char monté au bout. Fait que c'était quand même le fun, pour vrai. Ben là, nous, vu que c'est juste une vidéo et non un let's play, en fait, l'histoire de mon personnage, c'est qu'il a fait des courses. Il a perdu sa Lamborghini, il a perdu sa blonde, sa petite chicks, là, parce qu'elle y a tout pris. Elle y a tout pris, même à son père. Puis ben nous, ben, on finit comme mécanicien à Riddle's Rides. Fait que ça, c'est l'histoire de mon personnage de Need for Speed Unbound. C'est triste, hein? Bon, hey, j'espère que vous avez apprécié. Donc, un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup. J'apprécie énormément. Donc, un grand merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao.